Je veux savoir où vous étiez. On arrive de Bordeaux. Hein? On arrive de Bordeaux. Ah, alors, j'ai pas la référence. Il y a une guerre entre Bordeaux et Toulouse. Ce qui est basé sur quoi? La Garonne. C'est des... Genre, vous vouliez le fleuve pour vous. C'est un délire de viking, les gars. C'est fini, cette époque. Hein. C'est nous qu'on va se baigner. Non, c'est nous. C'est nul. Qui a déjà traversé la Garonne, ici? Personne, voilà, vous vous battez pour rien, on est d'accord. Il y a un gars tout seul, oui, mais j'ai fait la guerre aussi, c'est pour ça. Moi, je propose qu'on donne la Garonne à Bordeaux. Et vous avez le vin en échange? C'est un test pour le niveau d'alcoolémie de mon public en général. Vous êtes tombé dedans. Pourquoi t'es en retard, toi? T'étais où, tu faisais quoi? Oui, par là, quelqu'un qui n'existe pas et je suis en face de toi. Pourquoi t'es en retard? On en a rien à foutre que c'est ton mari. Il est où ton mari? Pourquoi vous êtes pas côte à côte du coup? Parce qu'en ce moment on est en froid, écoute un peu. Pourquoi il est pas avec toi? C'est pas le pire couple de tous les temps? Lui s'est dit, faut pas qu'il me parle. Vas-y chérie, fais diversion. Et mais pendant la guerre, t'es quoi? Moi je te couvre, fonce là-bas. Mais ils sont là-bas les gars. Vous étiez où? Vous étiez à Bordeaux, vous aussi? Vous étiez quoi? Vous êtes en retard. Il est son brushing, tout ça pour ça. C'est raté en plus. C'est très moche, quelqu'un va te le dire. C'est résistant, ça se voit que... Dans ses yeux, mais comment il sait? Ah, en blanc là-bas, vas-y, qu'est-ce que tu fais? De l'informatique. Oh là là, quel rêve de pauvre. Le jugement. C'était quoi ton métier exactement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Je développe des sites internet. Tu développes des sites internet. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je développe des applications pour des banques. Tu développes des applications pour des banques? C'est-à-dire? Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et c'est quoi tes applications pour aller plus... C'est des sites en fait que tu fais? C'est ça? Des futurs espaces clients. Des futurs espaces clients. Et ça c'était ton rêve quand tu étais petit? C'est vrai, ça fait pas rêver, mais rien se dit. Mais t'étais souvent seul à la récré ou pas? Est-ce que des fois il y a d'autres gens qui venaient et tout? Oui, ils me raquettaient, ils prenaient tout mon argent. Mais ils s'y prenaient mal, je me suis dit, il faut faire des espaces clients pour qu'ils puissent mieux me récupérer mon argent. Comme ça, ils seront contents plus tard. Trop mignon. Informatique, qu'est-ce qu'on a dedans la salle? Un truc qui va me... Vas-y. Tu es danseur professionnel. J'ai l'impression. Oh non, il doit avoir des abdos. Danseur de quoi? Hip-hop, t'as déjà fait des clips ou des comédies musicales, des trucs qu'on a pu voir? Vas-y, dis-nous. T'as fait quoi? NASA et que Black, dans un clip avec NASA et que Black? Les petits blancs du premier rang. NASA et que Black, c'est un chanteur. Que Black, c'est Black en berlan. Mais pourquoi il y a deux cas que Black? Ça devrait être que Black, non? Mais je dansais, moi, je ne suis pas au courant de... Faites-moi rêver, on n'a pas un truc qui va mettre tout le monde d'accord, un truc rare, vas-y. Vidéaste. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu fais, vas-y? Des clips! Vas-y, des clips, de qui t'as fait? Dis-les, non, vas-y. Voilà, c'est parti, allez, c'est pas des artistes connus. C'est qui? Oh là 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 là! Il m'a dit, en fait, on connaît pas l'artiste. Toi-même, tu le connais pas. T'as monté le clip comme ça. Alors, contrôle, alt, sup. Après, je fais ça. Inch'Allah, c'est bien. Allez. Comment? Non, mais dis-moi le nom d'artiste le plus connu. Ils sont pas connus. Le plus connu, vas-y. Mais tu t'inventes une vie. Tu connais pas les noms des gens avec qui tu travailles. Tu fais du porno. Tu montes de... C'est pas possible. Non, mais dis-moi, donne-moi du rythme, là. Tu me répètes en boucle, ils sont pas connus. Mais dis-moi, putain! Vas-y, c'est trop long! Nils? Un groupe de blues, vous connaissez Nils? Oui! Ah, qui connaît Nils? Ben, c'est moi, justement!
Je refuse que le rêve d'enfant le mieux réalisé, ce soit un mec qui bosse pour Niels. Je connais pas le groupe Niels, ça se trouve ils sont super connus, j'en vois pas de respect, mais je veux un vrai truc pour faire « Oh putain, bien joué !» Attention. Je fais des chasses au trésor. Voilà. Tu es pirate? C'est quoi le... C'est quoi, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? Tu as créé une société de chasse au trésor. Dans la ville, à Toulouse même, sauf la Garonne, parce que c'est pas techniquement encore à nous. Attends, je vois un enfant là? C'est quoi ton prénom? T'as dit quoi toi? Si, t'as parlé. Non mais bah, vas-y, va au bout, t'as dit un truc. C'est interdit au moins de 12 ans, à la balance. Ah, le spectacle il est interdit au moins de 12 ans, c'est vrai? C'est marqué sur le ticket? Parce que toi, tu voulais emmener quelqu'un qui a moins de 12 ans et du coup tu t'es dit... T'as pas pu l'emmener à cause de ça et du coup t'es frustré et t'es énervé contre le petit qui a rien demandé à personne. C'est ça en fait. Ton prénom c'est quoi? Tristan. Et t'as quel âge Tristan? 14. Dans ta gueule, voilà. C'est pas moi hein. Il y a d'autres enfants à part Tristan, 14 ans, tout ça ou pas? Toi au milieu, la blonde, t'es une enfant aussi? T'as quel âge? T'as 12 ans? Merde. T'es la petite sœur de Tristan. Est-ce que vous pouvez vous lever tous les deux jusqu'à ce que tout le monde vous voit bien? La petite sœur de Tristan, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux. Merci. Ça va Tristan? Ouais, ça va, mais t'es ma petite sœur. Je sais. Toi, le premier. Lunettes. Il veut juste pécho, lui, c'est... Depuis tout à l'heure, il l'a repéré. Vous vous connaissez tous les deux ou pas? Pas du tout, hein? Attends, t'as quel âge, toi? 25. Et derrière, t'as quel âge? 23. Et t'es venu avec ton mec ou pas? Oui. Oui. Bah oui. Le mec se check. J'avais vu, hein.